Le CCAB, en effet, et en ce mois de décembre, continue plein d'actions à Châtillon, par exemple, à Pommiers, en lien avec les médiathèques. Pendant 3 mois, il a irrigué tout le territoire. Mais le centre culturel en Beaujolais aime donner aussi du sens à son travail sur l'exportation de quelque chose. Et c'est dans ce sens, en effet, que le CCAB est partenaire de ce projet qui démarre à Lyon, qui va parler du Beaujolais, et qui va parler du Beaujolais cette fois-ci au niveau littéraire par ce spectacle Empreinte en coproduction avec le Théâtre des Marronniers de Lyon. C'est un spectacle que nous avons voulu entre différentes disciplines artistiques. Le théâtre et le récit par moi-même, mais avant tout un auteur, Michel Aulas, qui a écrit ces magnifiques textes qui n'ont pas pris une ride, et c'est le sens que l'on veut donner à tout cela. Et ces textes proviennent de la terre beaujolaise, mais comme on le dit, jusqu'à une autre, parce que ces textes sont universels. Et en plus donc de mon interprétation, j'ai souhaité associer d'autres empreintes, les illustrations de Dominique Simon, qu'on a bien connu en Beaujolais par le livre qu'il avait fait avec Jacques Weber sur le spectacle Éclat de vie, et puis deux merveilleux musiciens, Serge Folly, qui a fait les compositions des paysages sonores et qui les interprétera en scène, associé à Michaël Paquier, également percussionniste. Voilà, nous serons donc quatre sur le plateau et nous allons raconter tous ces personnages qui sont un peu un badinage à la Rabelais, où on va d'une figure à une autre, d'un moment poétique à un moment plus humoristique. Et en complément du spectacle, eh bien, c'est ça aussi qui est exceptionnel, un double album CD qui va permettre, eh bien, aux uns et aux autres de découvrir chez eux quels sont tous ces récits. Voilà, c'est une complémentarité, un spectacle de théâtre musical imagé, la version double CD avec empreinte. Et donc, le spectacle, quant à lui, démarre ce jeudi 10 décembre en présence de tous les représentants de la ville de Lyon, puisque l'Interbeaujolais organise toute une soirée par rapport aux crues jumelées avec les arrondissements, en présence du premier adjoint au maire de la ville de Lyon, des enfants de Michel Aulas, Jean-Michel Aulas et Françoise Aulas Panayoti. Et après, le spectacle va être joué jusqu'au 21 décembre à Lyon, donc du jeudi au lundi, téléphone 04 78 37 98 17. On espère que beaucoup de Beaujolais se déplaceront à Lyon pour venir découvrir ces empreintes.